années 70, c'est Pelé. J'ai 9 ans. Je me rappellerai toujours quand Pelé a dit « j'ai marqué un but que Banks a arrêté ». Voilà, donc c'est déjà les images brésiliennes, c'est déjà la samba, et c'est déjà les couleurs jaune et verte. Vous sortez du vestiaire français, en face de vous, vous avez la porte du Brésil qui est 2 mètres à côté. Alors que maintenant, dans le stade, on est vraiment très très loin. Et on sentait ce qui se passait, on entendait. Il y avait cette odeur de pression qui commençait à monter. Et puis, on rentre, on est pratiquement sous terre. Et vous arrivez, vous montez ce petit tunnel. Et on arrive derrière les buts. Et là, vous avez une bouffée de lumière, une bouffée de samba. Et les gens qui chantent, et quand ils nous voient, ils n'ont même pas sifflé, ils ont applaudi, c'était la grande fête, ouais c'était merveilleux. On nous a dit, c'est la finale avant la lettre. Voilà, on a joué une finale en quart de finale. On a gagné cette finale, mais c'était le quart. Moi, j'ai toujours eu cette chance de jouer avec des très grands, et quand vous jouez dans la même équipe, avec Gires et Platini ensemble, voilà, sachant que même quelques années après, j'ai joué avec un petit jeune qui démarrait à Cannes et qui a été champion du monde 98, qui a été aussi l'un des meilleurs joueurs du monde, qui est Zidane. Et quand vous avez des joueurs comme ça derrière, c'est très facile, mais vous avez quand même une grande pression. Potentiellement, on a les moyens de gagner. On peut gagner. Seul problème, c'est qu'au niveau du mental, c'est pas notre force première. En fait, on est très bon contre les équipes où on est en difficulté. On est capable de faire des exploits. On est capable de battre la meilleure équipe. Mais on est capable de perdre contre le Sénégal, premier tour d'une Coupe du Monde, comme ça s'est passé. Même si, avec le plus grand respect que j'ai pour le Sénégal, mais voilà, c'est la France. Et le problème, c'est qu'on n'est pas assez constant.